La société gros couri pirate dans zone palais national. Fois ça, bagaille en plus que dégénéré. Nous pral saisi tande ki jan gagné soldat la Médaïti qui t'a déjà victime blessé par embuscade négizo tant dans zone palais selon sa plateforme Moun a fait bon fait confirmé. Eh bien mesdames messieurs, conseil présidentiel là qui fait installé, eh bien négio là commencé à prendre en pile brimade. Si monsieur vivant Samyo qui pas décidé by vague. Au contraire, négio plus que mobilisé, négio augmenté effectif yo pour être capable attaquer avec plus force, mesdames et messieurs. Plus que yo est là, eh bien, force police là, yo augmenté niveau sécurité dans zone palais national. Eh bien, vive ensemble lui-même, li augmenté force d'attaque li pour palais national. Eh bien, négio te clair sous décision yo. Eh bien, négio style a frappé malgré toute disposition yo prend pour empêcher vive ensemble entrer dans zone palais. Négio marché barré mezi se route, yo déployé un paquet unité pour protéger palais. Eh bien, malgré toute disposition sa yo, vive ensemble style continue kavi de balles dans direction palais. M'pense même conseil yo te geta koné qui prend tête pays à là, li pas facile pour yo. Négio obligé à déployer en pile dans unité qui dans capitale là dans zone palais juste pour ka protéger conseil présidentiel là. Même si j'en dis nous, malgré tout ça yo, malgré toute disposition ça yo, jodi a selon ça ou pral tande là, gen soldat qui tombé, ti monsieur vivant ensemble yo qui pote bourré, négio qui dit c'est soit yo pas là ou bien conseil là li pas là. Sept mam yo gen bagay nan men yo, Guy Philippe ak Jean-Tel Joseph déjà affirmé qui a prend pouvoir, c'est sûr que après vivre ensemble, conseil la pral prend coup pirèd nan men Guy Philippe ak équipe li. Ça veut dire ça conseil la commencé ou là pour qu'on anye dans ça qui t'a préparé pour yo, puisque gen pile disposition bon côté équipe Guy Philippe là pour yo même yo bay réponse pa yo. Deux cadres dans l'armée a passé en babal vive ensemble situation dégénérée. Ti monsieur Izo qui t'a frappé, eh bien entendez qui j'en situation ayez chers internautes, puisque bagay yo pas piti. Non, moment n'a pas là. Bon, là, nous avons changé complètement là. Et côté que nous apprenons dans le même cadre de confrontation, il y a déjà au moins pour plus petit deux militaires FADH. Eh bien, qui blessé là, mesdames et messieurs? Évidemment, nous ne pouvons pas toucher ça pour vous. Sans côté, policiers, beaucoup de paillots qui blessé également. Mais attention, nous avons extrait là, côté que justement Guy Philippe, eh bien, qui réagit, qui parlait, et puis, ou même qui t'a demandé, ou t'es envie d'aller voir président, eh bien, nous avons quelques voix pour là, quelques vidéos pour là. Le président Jovenel t'a frappé oligarque corrompu. Eh bien, Salomon, n'a pas salué, frère Pam, comment est-ce? Bonsoir Dimitri, nous sommes tous internautes en monde affaires, bon TV, nous sommes tous haïtiens qui écoutent nous à travers le monde. Nous très contents pour nous rentrer la caillou aujourd'hui dimanche 28 avril 2024 pour nous venir informer de tout ce qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Et maintenant, nous allons directement dans la capitale et pays d'Haïti, nous allons parler de Port-au-Prince. Nous allons dire gagner et des militaires. FADH, ce n'est pas 7 militaires encore. Nous avons parlé, nous parlé de un sergent avec un caporal. Nous avons parlé de zone dans l'hôpital général. Jeudi 25 avril, nous avons une bataille qui est gagnée ensemble avec un monsieur vivre ensemble. Mais il y a deux membres FADH, nous avons parlé qui est blessé par balle. Jeudi 25 avril, nous avons bon, l'hôpital général. Nous connaissons avec un prébat. Nèg exam gang izwa mais coup balio je te toque entre eux même gen un sergent avec un caporal pour le sergent et un caporal yo te prendre en embuscade et mais vie pas tellement en danger c'est notre ça nous apprenons mais te gen deux membres FADH deux membres mais la médaille yo même bon côté pa yo qui arrivé nous capable dit te blessé en babalan et mais dans cadre procès bourré mais c'est vite ensemble yo ça fait sous palais national. Mais je vais pas parler de palais national, nous apprenons tout, monsieur, à barrer palais avec conteneur. En plus conteneur, et bien monsieur a barré, nous comme on dit, tout entier pays, mais palais national, et bien pour permettre pour empêcher. Et bien mon nom, nous comme parler de l'examen arrivé dans le pays là, ça veut dire qu'il y a une zone en monde qui connaît le palais national. Soit sorti par question, ou sorti.
et bien par la lui, et bien nous parler de votre plan, lui barrer, nous allons parler de gagner dans l'entrée. Zone Avenue Christophe là, commencé à barrer. Et bien ça, dans le cadre pour monsieur, on va parler, n'est pas le président conseil présidentiel, pour être capable de venir là, il était quand on a parlé, et bien, bon, tout ce qui faut bon côté de la police, pour mettre des conteneurs, pour barrer toute entrée par le national, sauf Avenue Mani, qui a foutu fou, zone bois venant, qui a bien espace pour capable de rentrer dans le palais national, mais on va barrer tout ce qui est net, et bien, zone ministère intérieur, zone pour capable sortir. Et dans Wilama, pour sortir de zone Bélair, zone en cap sorti dans 8 pavés, tout ça aujourd'hui, yo prévoit barrer tout un cap orienté, yo, bon palais national, là, c'est ça. Et bien, nous, ouais, comment c'est fait au niveau des zones de massa, mais après, on a posé cette question, pour qui ça, yo obligé à barrer ou tout comme ça, dit. Eh bien, c'est pas l'autre bagaille, mesdames, messieurs, parce que là, pas oublier que monsieur là, si monsieur vivant ensemble, yo même yo déterminé, yo extrêmement déterminé. En tout moment, monsieur yo connaît très bien que monsieur sera a attaqué yo, et puis question palais national là, ou pas jeune connaît là, ou par contre qui stratégie monsieur ça va mettre, parce que pas oublier rêve, si monsieur vivant ensemble, c'est prend palais jusqu'à maintenant, pas aucune garantie qui dit que monsieur pas prendre, parce que j'aime moi monsieur ça lourdement armé, c'est petit bagaille qui petit, mais pendant la parler de ça et Salomon. Nous avons extrait vidéo là pour vous, mesdames et messieurs. Nous parlons de l'Italie, comme ça, après l'eau. Et nous-mêmes, nous pas vraiment voulu parler de questions force Kenya pour ta rentrer en Haïti. Mais nous vidéo là, quand même, par contre, si monsieur ça ouais vidéo ça, mais c'est militaire canadien pour pas dire, yon en Jamaïque là, côté qu'il y a entraîné, il y a bail formation, évidemment. Eh bien, combat ça, c'est pour un bagage qui piti même, question, et étranger ça ouais, nous tendez qui est possiblement pour ta rentrer en Haïti là, mesdames et messieurs. C'est pour un baron, tu dois réagir sur ça. Militaire, car comment, qui va déployer en Haïti? Et bien, on a parlé de caminage à Smith en solidité, soutien financier, équipement pays pour développer force. Et bien, et car comment nous, le pays jamaïcain qui est très content, et bien, yo même yo félicité le pays Canada par rapport avec et bien, coupe message, yo te baillon dans le cadre de formation militaire jamaïcaine. Ça veut dire encore, yo même très satisfait de ça qui déclaré par rapport avec nous connaissons pendant toute semaine. Nan, eh bien, nous connaissons pendant quelques mois le pays Canada qui s'appelle deux pays Jamaïque. Mais il y a l'autre pays qui est encore qui est présent là. Et même, je veux vraiment féliciter le pays Canada qui est dans le pays où nous sommes les Jamaïques là, qui est satisfait du résultat exercice qui est mené par Force Canada et avec militaire. Ça, et comme c'est pas seulement les Jamaïques qui est là, mais il y a plusieurs autres pays. Mais nous voyons parler de ça, ça n'est pas ça. Plusieurs autres pays encore. Il y a même environ 7 ans qui ont préparé là pour entrer en deux pays. Eh bien, c'est certain, bon là, nous pas. Yon combat, yon guerre, ap gen des victimes des deux côtés. Ou ap gade, c'est plusieurs étrangers, nous parlions justement là, c'est gouvernement canadien qui a bay formation à des Jamaïcains, yon parlé de Belize également. Et donc, y a fait exercice là, mais kounya la Salomon, question a posé là, monsieur Sayo, ti messi a mes boys yo, yon même, comment bagay sa pral fini? Parce que pourquoi ça me parle de ça, mesdames, messieurs? Nous même qui besoin la paix en Haïti, faut nous dire, monsieur Sayo, en pile là de pral mourir, en pile là étranger ça pral mourir. Donc, c'est pas qu'on y a là, et cabinet sans pral stopper, si pas qu'on solution fait. Si aussi son solution, juste venir avec ça, m'a tiré à droite à gauche, a bien pile 5 pral coulant dans le pays, des deux côtés, ça, nous capable, ouais là, si vous comprenez bien. Eh bien, et du maintenant, parce que là, il y a Jimmy Cherizier, bon côté par là, qui réagit sur question force multinationale là. Il y a l'autre bon, nous avons parlé de Jimmy Cherizier qui réagit et nous avons un message à Baya président et en parlant des présidents kenyans, nous avons parlé William. William, non, c'est son frère qui réagit, lui, côté Jimmy Cherizier lui-même, qui parlait entièrement avec force étrangère. Qui prévoit entrer en dents payant. Je vais même dire pareil, mon côté Fayo, pour faire face à 20 ans de questions. Nous allons parler, et même force en premier militaire, qui n'a qu'à entrer en dents payant. Nous même vivons ensemble, nous ne pas décourager, nous même avons continué la bataille avec notre ménéant, et nous ne pas décourager, nous avons en force Kenya qu'à entrer en dents payant. Mais après, nous avons posé cette question, qui est capable de gagner, arriver, nous allons parler de force multinationale là. Après l'installation du conseil présidentiel en Haïti, le président Kenya William Ruto propose une intervention étrangère pour soutenir la sécurité. Et bien, nous allons parler
épouse. En réponse, Dimitri dit Ayatan, barbecue, lui-même qui avertit mon conseil dans ce lieu, qui a préparé une bataille plus intense et qu'on va dire pour ne pas faire que c'est arrivé face étrangère en Haïti. Considérant comme des haïtiens en mars 2024, barbecue déjà menacé policier kenyan. Si vous entrez là, il y a pris les mauvais moments. Et bien, il n'y a pas de temps dans le jour qui vient la nuit. Et bien, nous avons une guerre qui commence à déclarer entre les vifs ensemble avec un policier qui vient la nuit. Il n'a pas gardé plusieurs réactions. Bon, on connaît tout ça rentre dans la stratégie des ghetto. Et monsieur dit comme ça, bon, m'a gardé réaction là, il dit en pile là-dedans, c'est show off. C'est show off et en façon pour monsieur pas intimider. Mais bref, mesdames messieurs, pendant la parler de show off, on nous pas écarté rien. Il y a une erreur que nous toujours fait parfois, nous qu'on a sous-estimé adversaire. Nous prenons comme si depuis on nous info, nous prenons ça pour jouette. Oh, c'est pas vrai, c'est pas si, c'est pas ça. C'est en façon pour nous dire que mesdames messieurs, mais réalité en là, évidemment nous même c'est pas ça nous voulons. Moi-même personnellement, moi-même c'est l'armée, c'est la police là, c'est monsieur ça on voulait pour faire travail là. Mais jusqu'à maintenant, nous pas compte comment l'a fini, mais bref, Jean-Noël là pour l'instant, c'est pas vraiment bon signe des deux côtés parce que ça nous faut nous dire en pile jamaïcain ça yo a mouri tout. Faut nous pas vérité, nous ne pas venir tant de vérité là. En pile soi-disant militaire étranger ça ou pral vinn mourir dans pays. Donc faut nous concentrer ça et faut nous bailler mon vérité également. Dis-moi, on a parlé de ça, on a de bien pays qui veut voir entrer en un pays à force multinationale. Là. Il y a 7 pays, à savoir Kenya, qui en tête, Bénin, qui veut voir 200 soldats là. Il y a Tchad, et il y a Bahamas, il y a Barbade, il y a la Jamaïque et Bangladesh. Ils ont exprimé et sur le plus régional, force multinationale, mais c'est sécurité, la stabilité en Haïti. Selon une source d'organisation des Nations Unies. Et bien, cité par Agence France, et bien, il parlait des notifiants. D'après même et sous ça, il y a des pays officiellement qui informent le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, et nous avons parlé, et ils ont même encore, ils ont capable, ils ont même annoncé ces pays-là. Nous avons parlé de Kenya, Bénin, Tchad, Bahamas, Barbade. Et pourquoi pas la Jamaïque, Bangladesh, ils ont exprimé l'intention pour rejoindre force multinationale en deux pays. Encore une fois, Jimmy, nous avons parlé de nos pays. C'est des pays qui ont un pile problème dans le caillou. Par exemple, Bénin, nous avons dit que c'est des pays qui sont loin. C'est des pays, Jimmy, qui n'ont pas même seulement joué. Et quand je vois l'opin Bahamas, là encore. Et là, nous connaissons Bahamas, c'est le premier ministre qui a gagné. C'est des militaires qui là, Barbade, Jamaïque, Bangladesh, quand même des pays, Jimmy Kontadolé, et bien indépendants, et bien où est-ce que les gens là, il n'y a pas de problème là pour entrer en dans pays. Pour faire qui ça, nous ne connaissons pas Jimmy, nous connaissons en fait de 600 millions de dollars américains qui en coulent là, mais nous connaissons comme là, il y a un peu de monde, un peu de pays à côté de l'Europe, ou à pas quand même important. Mais en plus, question à poser pour que le Canada ait une formation avec un équipe militaire qui sorti là dans le Caraïbe, pour que ce soit pas un militaire haïtien, ou comme des militaires canadiens de Vina, qui étaient entraînés pour combattre les Haïtiens. Pour que ce soit pas des Haïtiens ou des policiers nationaux, les militaires canadiens de Vina, qui étaient entraînés entièrement, pour que ce soit des militaires moyens matériels, pour capable bien équiper leurs conseillers. Pour avoir des résultats. Notamment, en plus, mon dit, mais la police, elle dit pas capable. Elle dit la meilleure, pas capable. Mais pour protéger les businessmen en Haïti, mais elle est capable. Mais pour faire installation, prestation seulement. Le palais national, nous avons utilisé la meilleure avec la police, mais depuis ce bout-là, elle est capable. Mais depuis nous, elle est au 7 février 2024, nous avons la police avec le militaire, elle est capable. Pour protéger les gens, pendant que la police avec la n'est pas capable, qui est capable de sécuriser devant l'ambassadeur, c'est la police avec les militaires. Ça veut dire, vous là, nous capable. Pour protéger les business dans l'aéroport, c'est la police avec un FADEA qui est sécurisé pour être capable. 7 nègres, 9 nègres, viennent à venir manger la de l'État, nous est-ce qu'il y a sinon dehors. C'est la police avec militaire FADA, ça veut dire qu'ils sont capables. Mais pour protéger les oligarques, pour protéger le secteur privé, pour protéger le business en Haïti, pour protéger l'ambassade, pour
protéger, nous avons dit par le national, pour protéger la primature. Nous avons dit la police est capable, le militaire est capable, mais pour protéger la sécurité de pays, nous avons la police est vraiment affaiblie, pas capable. De toute façon, il y a peut-être dominant de nous, mais nous-mêmes, nous toujours prêts. La police est capable. Si la police est capable de sécuriser par le national, si la police est capable de sécuriser l'ambassade en Haïti, si la police est capable de sécuriser business en Haïti, ça veut dire que la police est même capable. Et bien, yo capable, ni la médaille est capable, mais si vous avez au moins, vous avez des armes, des matériels, vous remportez au moins des points, n'a pas eu un résultat qu'on a besoin. Mais je me comprends, n'a pas eu des pays kenyans. Chef police kenyan, nous avons dit, nous arrêtons parce que nous avons alimenté et criminels, bandits, d'armes à punition, et nous avons des lois qui prennent le pays kenyan. Et bien, pour militer avec la police, pas voter, pour pas des forces, nous avons pour toute force. C'est nous apprenons un négo parce qu'il est tellement corrompu et nous attendons là comment. Et bien, messieurs, parce que nous qui font des actes malhonnêtes en deux pays Kenya et c'est même nous avons passé droit de l'homme qui passe droit à moun dans le pays la Kayo et je dis encore, c'est eux-mêmes qui ont voué nous là et là encore, je me suis fait qui ça nous va connaître pour capable d'augmenter l'insécurité et me garantir. Pas dire en 2004, le Brésil est venu, nous va même comprendre avec le kidnapping, non, messieurs. C'est un kidnapping enragé dans le pays du Brésil. Et bien là encore, après nombre de temps, nous sommes bien entraînés à Haïti dans la question de kidnapping. Nous sommes techniques comme nous faire kidnapping. Après le départ du Brésil, nous voyons comment Haïti va spécialiser nos affaires kidnapping en deux pays en 2013. Pendant le ministère de là, comment kidnapping dans table et taille bandage en 2005 aussi. Et bien après, on allait nous voir comment kidnapping a fait la base. Mais le roi pour Kenya, Jamaïque, Vietnam. C'est tactique qu'on va montrer en fil Haïti comment pour voler. Mais il y a des bagages Haïti pour bien maîtriser Jimmy dans la question. Et si le monde va être responsable de Jimmy, c'est qu'on y a un monde qui va reconnaître des mauvais moments en dents payant. Et moi, je vais toujours mettre dans tête, pas y a rien qu'à faire qui va en dents avec force multinationale là. Et si on rentre là, mais seulement, c'est augmenter l'insécurité là, même là, à l'aide Jimmy. Mais pour combien de temps il ne nous pas connaître. Est-ce que vous, un an, deux ans, trois ans, nous sommes dans la pas déterminé, mais nous connaissons, il y a là pour faire qui temps pour capable venir le corps sur l'eau Haïti. Voilà, monsieur, juste une seconde, mesdames, messieurs. Bon, c'est sûr et certain. Et bon, il y a quand même certaines inquiétudes. On va poser cette question. Bon, monsieur Améo, bon, c'est sûr et certain, vous causez un pile tort. Mais bref, quand il y a là, une question, où est-ce que vous parlez, que vous même vous prêt pour vous déposer des amis? Si M. Saoudi est prêt pour déposer les amis, il suffit que un gouvernement sérieux, un gouvernement côté que il est capable de faire confiance, évidemment, il a déposé les amis. Bon, on est capable toujours faire débat, est-ce que c'est vrai qu'il a déposé ou pas. Mais bref, pour qu'on y a là, sans regarder là, mesdames, messieurs, nous voyons que Haïti a pris direction, on rigole sans. Je dis là, pour l'instant là, nous voyons que bagayo pas bon, mais malheureusement nous bagayo direction là que la prend la bagayo, c'est comme si c'est pas forcément mieux. On va regarder justement, monsieur Kayou comme ça yo. Pour qui ça que pendant que soit disant là, ça fait que yo même, yo pas prend disposition en façon pour gagner des négociations qui fait là, en façon pour éviter ben sans ça. Parce que j'ai nous dire pas penser que c'est haïtien simplement qui va mourir. Étranger ça on pile là le pour tomber mesdames messieurs. Quelle motivation au monde qui sorti en Jamaïque, qui sorti dans Belize, dans l'autre pays sans Bangladesh pour venir mourir en Haïti là? Qui motivation, qui vraie raison, c'est ça la question qu'on doit poser. Qui vraie raison, hein, qui fait que étranger ça yo besoin yo gagne toute énergie ça pour venir en Haïti. Qui vraie motivation, hein? D'ailleurs, où qu'on est, moins qu'on est. Mais bref, est-ce qu'on va trouver ça vraiment lâche bon côté des Haïtiens qui décident d'entrer dans le jeu de ça pendant ce temps, nous-mêmes nous sommes capables de résoudre problème dans la haïtienne. Moi-même toujours dire au monde qui n'est pas content, les moi justement n'importe aide Haïti capable joindre côté que c'est l'armée d'Haïti qui a pris ses voiles, côté que c'est la police qui a pris ses voiles. Moi-même même les que me connais que nous pas fin d'accord avec lui, me préfère résoudre problème dans résoudre à la haïtienne. Mais j'aime nous dire beaucoup d'y là, eh bien pas penser bagaille au pral simple comme ça. Salomon, bon et n'a tout profiter saluer Lionel. Mais monsieur, pendant nous dit ça, est-ce que monsieur ça vous-même, c'est sûr certain, il va pas arrêter à regarder comme ça tout. N'a saluer Lionel. Et nous saluons Jimmy et nous saluons Salomon qui est avec nous là, puis oui, puis coupé, et nous saluons chaque de nos auditeurs. Je dis maintenant là, qui est brassé, comme sûr, et bien capable de vous suivre, vu que ma femme va appeler ça. Et je pense que Jimmy, quand même, c'est une très belle émission à faire, même parce que
et concernant l'actualité à Zimine, ouais, jeudi dimanche là, au département. Oui, oui, département centre, nous là qui est secoué, côté que prison civile de la ville de Hesh qui attaquait plusieurs policiers. Plusieurs policiers sont blessés et sans compter des victimes bien mortes, mais nous parlons de ça. Mais nous avons concernant et bien sujet ça que nous exposons là et nous avons la pays Kenya, force multinationale qui sont là après dollars qui a débattu en Haïti. Mais nous avons là plusieurs séances de formation.